Verstappen, tout à fait remarquable, n'aime pas du tout ce genre d'incident. C'est parti pour les fumigènes dans les tribunes aussi. Oui, oui. Il risque d'avoir terrain suspendu lors du prochain match. Ils peuvent avoir terrain suspendu, ils vont de toute façon avoir grosse amende. Quand vous avez beaucoup d'argent de côté, vous allez pouvoir l'emprunter un peu. Hein? Bon, allez, c'est la dernière fois qu'on tentait de gagner les 10 000 euros. Vous répondez à la question suivante. En quelle année la France a gagné sa tête d'euro? 2012, en 2007, numéro 1 de la France, numéro 1 de 2007, avec 36-26, envoyé 1 ou 2 au 72-600. Le gagnant sera tiré ultérieurement. Règlement et modalité de remboursement disponibles sur M6.fr. C'est ce que j'allais dire, Vincent. C'est la première fois que le capitaine d'une équipe, sous les ordres de l'arbitre M. Brick, prend le micro et allez dire à ses supporters de se scanner. Oui. Et c'est bien que le capitaine de l'équipe le fasse, parce que c'est une très bonne initiative et une très bonne remarque de M. Brick. Et derrière, il nous touche. Hein. Il touche le ballon. Allez, à Zagic. 72e minute. But de Benzema. Il est tout seul, il est tout seul. En retrait. Aïe, aïe, aïe. La but. Et but de Laurent Malouda. C'est glace de Mathieu Valbuena. Une passe de Mathieu Valbuena. En tombant, il a fait la passe. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas exprès. Non, mais enfin, peu importe. Mais au fond, elle s'est pas décisive. À Malouda, passe décisive de Valbuena et 2-0 pour l'équipe de France. Remarquable construction des Français. Encore 3 passes, on est vite venu devant le but. Avec sur le côté droit Karim Benzema qui va voir tout seul, là il n'est pas du tout en jeu. Diaby, en une touche, très très bien fait de la part de Diaby. Allez, voilà. Et derrière Diaby, en une touche, le tour qui, Mathieu Valbuena qui tourne. Oui, on a et qui donne la passe. Pas pour Malouda, on a énormément de réussite. Oui, là on a eu la réussite, il faut le reconnaître. Mais enfin, le jeu pratiqué par l'équipe de France ce soir, a été provoqué cette réussite. Absolument. Il a joué dans le glacé avec Laurent Blanc.